Nous avons passé autour de l'énergie qui a fait une partie de la fortune du département autour du charbon. Et aujourd'hui, nous voulons assurer cette continuité. Le site est en effet une ancienne centrale thermique, donc c'est un sol très pollué. L'activité de production d'électricité est particulièrement pertinente pour un site de ce type-là. On va passer du gris au vert, du charbon au solaire. CIPENR est une société d'économie mixte dont l'objectif est de réaliser aux côtés des collectivités, des parcs publics et citoyens de production d'énergie renouvelable. On peut parler de ce projet comme un projet citoyen, dans le sens où il y a énergie partagée, investissement qui est présente en tant qu'actionnaire, et il y a la collectivité locale qui est actionnaire. Énergie partagée et investissement, c'est finalement un pot commun de l'ensemble des citoyens français qui souhaitent investir dans les énergies renouvelables, mais pas n'importe lesquelles, celles qui ont une valeur environnementale forte, celles où on va assurer une vraie gouvernance locale. Tout l'enjeu est de, tout au long de la durée d'exploitation, d'être dans une transparence financière complète. C'est aussi une assurance pour nous de ne pas tomber dans les pièges de la pure spéculation qui, malheureusement, sur beaucoup de projets d'énergie renouvelable, sont venus, entre guillemets, polluer le projet. Et surtout que la valeur d'un projet comme ça, la valeur qui est produite en termes économiques, eh bien, logiquement, elle doit pouvoir retomber au maximum sur le territoire. Iris Solaris, nous on est un acteur, on est une PME française. On a une forte volonté d'être présent localement. Donc le fait qu'on ait proposé et que la ville nous ait demandé aussi à pousser vers un projet citoyen participatif avec des entreprises locales, ça s'inscrivait complètement dans notre politique. Et les ENR permettent, on va dire, d'avoir une énergie délocalisée et mailler le territoire. Permet finalement de répondre plus facilement pour demain aux besoins des consommateurs sur les différents territoires. L'énergie, d'où ça vient, comment ça se produit, le soleil, la transformation. Donc on est allé expliquer le projet aux enfants des écoles d'Albi et l'idée c'est que l'on va continuer.